Coucou, ça en fait YouTube, je suis Suzucube et je suis très content de vous retrouver toujours pour du gameplay sur la Rogue Ally. Vous avez toujours ce capteur d'empreinte digitale qui est très, très pratique et on va jouer à Soul Calibur 6. Alors, est-ce que je peux jouer avec ma manette? Je vais l'allumer, on verra ce que ça donne. Titre de vidéo très putaclic. Parce que, alors, Soul Calibur 6, il a une particularité, c'est qu'il tourne en 720p sur Series S, parce qu'il est basé sur la version One S. Et la version One X a un patch qui permet de montrer sur du 1080p. Voilà. C'est pas glorieux, mais c'est toujours mieux que 720p. Malheureusement, il n'y a jamais eu de patch pour la Series S. Même si je ne doute pas qu'elle en soit capable. Donc ici, on est en tout ultra. Enfin, je vous montre un graphique. On est tout au maximum. Maximum, mise à échelle, tout au maximum. Et en fait, ça permet de jouer dans de meilleures conditions que sur Series S. Et dans les mêmes conditions qu'une Series X ou qu'une One X. On va aller sur... On peut bien jouer avec la... Mais j'en ai marre d'aller dans le mode histoire. On peut bien jouer avec la manette, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Et duel, je crois. Voilà, versus. Voilà. Et j'adore ce jeu, c'est un de mes jeux préférés. Et il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Hop, Talim. Et contre Xiangmina. Il y a un truc qui est tombé. J'aime beaucoup le niveau sur le bateau, dans l'eau. Et ça, par contre, c'est un jeu qui m'a vraiment impressionné parce que... au début, en fait, il ramait un peu, je sais pas pourquoi. Et si, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. En fait, là, j'étais passé en mode 10 watts. Vous voyez, j'étais comme ça. Et du coup, je me disais, ah, mais ça rame et tout. Alors qu'en fait, on est en 20 FPS, tu vois. On est en 20 FPS. Et surtout, quand ce jeu, il rame... En fait, le jeu veut quand même ses 60 frames. Donc du coup, ça rend tout le jeu lent. Et j'étais en mode, mais vas-y, je suis un peu déçu et tout. Je me disais, tant pis, c'est un jeu que je jouerai pas. On va essayer en 15 watts. Alors le truc aussi, c'est que ce jeu-là, dès que tu passes en 10 watts, il est tellement, il utilise tellement de puissance que... Toute la roguelaille, elle rame, quoi. C'est un truc de ouf. Bon, je suis désolé, j'ai relancé tout simplement. Parce que, voilà, dès que je passe en mode 10 watts sur ce jeu-là, il utilise trop de puissance, tu vois. Et vraiment, ben... Je sais pas, il me semble mal optimisé comme jeu, en vrai. Mais malgré sa mauvaise optimisation, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez jouer en 60 FPS vraiment tranquille et tout. Super dynamique, super bourrin, super agréable à jouer. C'est un de mes jeux de combat préférés et je rigole pas. Ouh. Je veux Chubby. Ah, je l'ai pas touché. Elle a tellement d'allonges au ciel. Eh, normalement, je suis fort avec elle. Hein. Allez, reste en l'air. Ah, je pensais que je l'avais fait tomber. Faut que je la fasse. Faut que je la fasse tomber. J'ai failli sauter dans l'eau, et j'ai failli sauter dans l'eau. J'adore Talim. Et le jeu, il est en 60 FPS et tout. Il est super agréable à jouer. En plus, sur l'écran, c'est un écran 1080p. Jouer à Soul Calibur sur un petit écran 1080p comme ça. Allez, viens. Ah non, j'ai pas encore ma super attaque. Elle arrive. Encore un peu. Ça y est, là, je vais l'avoir. Ça y est, là, je l'ai. Attends, c'est 3, normalement. Comment on fait? Aïe! Non, non. Elle va m'avoir. Mais! Attends, c'est pas les 4 en même temps. Mais si, je l'ai fait, mais en fait, je sais pas quand est-ce que je l'ai déclenché. Et du coup, j'ai perdu mon attaque spéciale. Je sais pas vu à quel moment. Là, on fait attaque spéciale, c'est les 4 boutons en même temps.
Oui. Mais je l'ai chopé là! La fille, tu la chopes, elle fait comme s'il se passait rien, quoi. Éclataxe. Enfin, ouais, tout ça pour vous dire. Sous le calibre 5, 6, sous le calibre 6, sur Roguelite, je valide, mais vous imaginez même pas à quel point je valide. Là, je vais mettre Street Fighter 5, Street Fighter 6, il faudrait que je le rachète, donc j'achèterai quand il sera en promo, parce que j'ai acheté sur PS5. Non, mais je veux changer de perso. Ah ouais, d'accord. Le truc m'oblige à rejouer avec Talim. Bah écoute. Pourquoi pas? Vous aurez que du gameplay avec Talim, je suis désolé. Ça, il est joli le niveau. Franchement, j'adore la direction. En fait, le truc, c'est que moi, je suis un vieux joueur et ce niveau graphique me va, tu vois. J'aime bien. Les jeux qui sont plus beaux que ça graphiquement, ça m'intéresse pas, en fait. C'est ça le problème que j'ai, en fait, avec les jeux vidéo. Moi, j'aime bien que les jeux vidéo ressemblent à des jeux vidéo, tu vois. J'ai pas envie d'avoir un truc photoréaliste et tout. Moi, je trouve ça super beau, fluide. J'adore la direction artistique, je la trouve géniale. Je trouve ça un très bon jeu de combat, tu vois. Ouh, quand même ma tenue. Hé hey, respecte-moi. Je ne l'ai pas respecté. Je ne l'ai pas respecté, mais elle a raison, je ne l'ai pas respecté. Je retourne au choix du personnage parce que je vais vous montrer du gameplay avec d'autres personnages quand même. Hop, on est parti sur... Au fait, la croix de la roguelite n'est pas si dégueulasse que ça en jeu de combat. Elle est un peu bizarre à appréhender au début, mais une fois que tu joues avec, franchement, elle n'est pas dégueulasse. Et pourquoi j'ai pas de Chubby? Chubby, je l'ai acheté sur PS5. Ah, j'ai vraiment acheté Chubby, quoi. Je crains. J'ai acheté Chubby. J'hallucine. Peut-être que si un jour je vois en promo le pack sur... J'aimerais bien avoir tous les persos de Soul Calibur 6. Si un jour je vois le pack en promo sur Steam, bah, je vais le prendre. Hé, mais c'est Sophitia! Attends, je connaissais un coup. Je spammais le coup avant, ça marchait bien, attends. C'était ça. Oh! Comme elle m'a stoppé! Attends, faut que je refasse, c'est ça. Merde. Allez! Ah! J'y arrive pas. Attends. C'est ça. Mais elle tourne autour, j'arrive pas à le faire. En fait, c'est avant-avant plus coup vertical. Mais en fait, elle arrête pas. Ouais, et en fait, t'arrêtes pas de faire ça comme ça. Et en fait, ça propulse bien en l'air, tu vois. En vrai, c'est facile à contrer parce que tu appuies juste sur A et ça te contre. Enfin, c'est un coup qui prend en middle. Donc, il est facile à contrer. Mais si tu sais pas et que tu joues sans. Putain, mais elle a des jolies boobs, Sophie, tiens. Et en fait, comme ça, tu peux ne pas être spammé. Ce qui est honteux, hein, je l'admets. Hein. Ça y est, j'ai réussi à faire les 4 en même temps. Ouh, j'ai touché. Je l'ai touché. Elle joue en facile, hein, je vais pas mentir. Hein. J'ai pas de mérite. Hein. Je joue juste pour les boobs en vrai. Donc, faut le savoir, ça aussi. Ah, la rediff a été belle. Hein. Et normalement, elle a un coup aussi. Voilà, t'as ça. Et t'as ça aussi. Ça, elle est super jeune parce que, en fait, c'est un coup bas et un coup haut juste après. Mais bon, les gens qui connaissent après, ils t'arrêtent facilement par rapport à ça. Et t'as un coup où elle montait 3 fois en l'air. Merde. T'as un coup où tu peux glisser en fait. Et après, tu peux remonter en l'air avec 3 coups. Je crois que c'est. La croix. Enfin, je crois que c'est ça, quoi. Tu fais croix, paf, croix, paf. Putain, j'ai encore envie de jouer. Mais on va s'arrêter là pour. Vous avez 10 minutes de gameplay sur Soul Calibur 6. Incroyable ce jeu sur Roguelite. C'est un jeu que je recommande grandement. Et au niveau des paramètres graphiques, c'est simple, tout à fond. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otaku.fr. Ciao, bye bye.